Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une grosse théorie que j'ai faite. Parce qu'en fait j'ai vu une vidéo super intéressante de Thomas et du coup en fait j'ai trouvé qu'il avait fait une bonne analyse. Et moi je me suis rendu compte que du coup ma théorie sur le chapitre 4, quand j'en ai parlé dans la vidéo d'hier etc, dites moi dans les commentaires si vous étiez là d'ailleurs, ben moi je suis pas allé trop dans l'analyse. Donc je me suis dit que j'allais en reparler les gars, mais cette fois-ci avec vraiment une comparaison etc. Vous allez voir que ce sera beaucoup plus flagrant ce dont on va parler. Avant toute chose la famille, je vous laisse me lâcher le petit like si vous êtes toujours pas abonné. Abonnez-vous, c'est super important. N'hésitez vraiment pas à utiliser aussi le code NANAS dans la boutique, les gars. Code NANAS, comme la chaîne YouTube, il y a plus de X, comme la chaîne YouTube, les gars. Merci beaucoup à ceux qui l'utilisent. Sans plus tarder, on va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir. Bon, je vais un peu me répéter, mais comme vous le savez, on a des doutes sur le fait qu'on va passer à un nouveau chapitre la prochaine saison. Bon, à Skip, il n'y a plus trop de doutes, mais bon, on va quand même en parler. Déjà, en fait, pourquoi on pense ça? C'est parce qu'il y a des similitudes entre la reine et entre justement l'héros, en fait la nouvelle meuf de cette saison. Et comme moi j'ai bien aimé la vidéo de Thomas et sa comparaison, etc., on va faire à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on va regarder en saison 8, qu'est-ce qui se passait? Et cette saison, qu'est-ce qu'il se passe? Et vous allez voir que c'est flagrant de voir que les saisons se ressemblent. Déjà, le contexte. En saison 8, on avait en fait les cubes qui étaient tombés du vaisseau de la reine, et en gros les cubes se déplaçaient dans la carte, et c'est que à Halloween qu'on a découvert la reine du cube, qui du coup après était disponible sur la carte, pas en tant que boss, mais elle était disponible sur la carte. Et bien cette saison, le contexte il est pareil, sauf que l'héros elle est disponible dès le début de la saison, et la grosse différence c'est que c'est un boss en saison 4. C'est-à-dire que là, vous pouvez aller au sanctuaire de l'héros et la battre. Alors que la reine, à l'époque, on pouvait la voir. Si on la visait, elle faisait du bruit, mais sinon, rien de plus. On pouvait pas se battre contre elle. Ensuite, ça, on va pas revenir en détail dessus, mais les descriptions des items de l'héros et de la reine se ressemblent beaucoup. On nous parle de la fin de Fortnite, on nous parle du néant, on nous parle de quelque chose qui va arriver, qui va vraiment se passer un truc de ouf. Et la reine, elle aussi, elle avait parlé du néant, en fait. Et moi, ça, j'étais pas au courant, je l'avais pas capté. Je vous mets un extrait de l'annonce de la reine où, justement, elle parle du néant. Ces jeux ont assez duré. Faites place au néant! Voilà, donc à l'extrait, vous l'avez vu, la reine parle vraiment du néant. Elle dit, voilà, ça va être le néant, faites place au néant, etc. Donc là, on a l'héros, donc la nouvelle ennemie qui nous parle du néant, le néant va arriver. Et la reine, elle aussi, nous avait parlé du néant. Saison 8 aussi, une grosse spécificité, c'est que on avait la corruption de l'île qui s'étendait. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, le cube mettait de la corruption et en fait, ça s'étalait sur la carte, ça prenait de plus en plus de place. Et en fait, du coup, cette saison, nous, on a le chrome, en fait. On a le chrome et on le sait, il va s'étendre. Puisque, par exemple, dans la bande-annonce de cette saison, donc du pass de combat, ben, en fait, on voit qu'à un moment, le tacos du Durburger, il est complètement en chrome. Alors que là, si vous allez en jeu, il n'est pas du tout en chrome. Donc, du coup, ça prouve bel et bien que le chrome va aller super loin, va se déplacer sur la carte et va lui aussi se répandre, comme la corruption en saison 8. Alors aussi, un gros clin d'œil au fait que la saison 8 allait être la dernière saison du chapitre 2, c'est que Fortnite ont remis les brutes. Les brutes étaient de retour. Et les brutes, c'est un peu le signe d'une fin de chapitre, puisque la première fois, on les a vus en saison X, on les a re-eus en saison 8, chapitre 2, et là, du coup, on va les réavoir, sauf que là, ce sera des brutes un peu différentes. Et on va les réavoir. Et les brutes, à chaque fois qu'on nous les a mises, ça a annoncé la fin d'un chapitre. Et là, on va encore nous les remettre. C'est très bizarre. Mais le plus important et ma grosse découverte sur cette théorie, et là, accrochez-vous bien, les gars, c'est que, comme vous le savez, l'héros, si on regarde la définition, un héros, c'est quelqu'un qui annonce quelque chose. C'est quelqu'un qui va annoncer l'arrivée de quelqu'un ou de quelque chose. Et du coup, moi, je pense que, en fait, l'héros, c'est celle qui arrive avant d'annoncer la reine. En gros, l'héros, elle arrive et après, la reine arrive. En gros, l'héros annonce l'arrivée de la reine. Vous allez me dire, oui, mais Anas, on s'en fout, on s'en contrepine les turlupines. C'est-à-dire que, voilà, la reine, on l'a déjà vue, on connaît sa puissance, et que c'est... Oui, non, mais attends, calme-toi, jeune oiseau, calme-toi. En fait... Écoutez-moi bien, il y a un truc, je l'ai re-regardé et quand je l'ai capté, j'ai pété un câble. Vous avez pas remarqué que, dès le début de la saison, on a trois personnages qui sont enlevés par le chrome, donc par l'héros. On a Origine, le scientifique et le visiteur. Et dans les trois, il y en a un, il est super important pour la reine du cube. C'est Origine. Pourquoi il est super important pour la reine du cube? Parce que ce mec, c'est l'ancien roi des cubes. Et du coup, si c'est l'ancien roi des cubes, peut-être que l'héros, elle a été chargée non seulement d'annoncer l'arrivée de la reine, mais aussi elle a été chargée sûrement, possiblement, de capturer Origine. Pourquoi? Pour le faire redevenir roi des cubes. Et pour que justement, la reine du cube fasse son retour, mais pas toute seule, avec son roi, le roi des cubes, Origine. Et là, ça serait incroyable. On aurait non seulement le retour de la reine des cubes dans une prochaine saison, mais en plus on aurait
Origin qui serait redevenu le roi des cubes qu'il était avant et qui du coup serait vraiment un atout de malade pour la reine et qui du coup nous mettrait dans une merde totale. On serait dans la merde. Déjà, on n'a pas réussi à battre la reine. Si en plus on a la reine, on a l'héros et on a en plus le roi des cubes, Origin, c'est terminé. Donc voilà un peu ma théorie et sur ce que je pense de voilà ce qui se passe cette saison. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Les gars, n'hésitez pas à donner une note à la théorie. Nous, on va continuer la vidéo. Ok les gars, comme vous le savez, cette saison, on doit avoir un événement. On a un événement chaque deux saisons. Et du coup, en fait, on n'a pas eu d'événement la saison dernière. On va avoir un événement cette saison, normalement. Et on le sait, si on regarde l'héros dans son sanctuaire, on voit qu'elle prépare un plan au niveau de l'arbre de la réalité. Et si on regarde la bulle, on comprend que son plan, en fait, c'est de prendre le contrôle de l'arbre de la réalité et de le rendre tout en chrome. On le voit dans la bulle, l'arbre de la réalité est complètement contrôlé par le chrome. Mais si on regarde plus dans le détail, on voit qu'il y a un projecteur violet et surtout... il y a un morceau qui fait penser à un morceau de scène, une scène de concert. Et du coup, récemment, on a eu une emote de Lady Gaga, qui du coup, voilà, fait directement référence à Lady Gaga. Mais surtout, si on va un peu plus loin, le dernier album de Lady Gaga, il s'appelait comment? Il s'appelait Chromatica. Chromatica, du chant lexical du chrome. Et surtout, on sait que Fortnite, ils font des concerts chaque 5 saisons. Le dernier concert, c'était l'événement d'Ariana Grande en saison 7. Si on compte, saison 8, chapitre 2, saison 1, chapitre 3, saison 2, chapitre 3, saison 8, chapitre 2, ça fait une saison. Saison 1, chapitre 3, ça fait 2. Saison 2, chapitre 3. Saison 3, chapitre 3. Saison 4, chapitre 3. Donc là, on est à 5 saisons de l'événement d'Ariana Grande. Et on a 2 saisons parfaites pour un événement. Donc c'est pour ça, moi, je pense que, je réitère ma théorie, je pense qu'on aura 2 événements cette saison. Un concert et un événement de fin de saison. Et qu'on aura un concert de Lady Gaga en lien avec le chrome. Parce qu'elle est vraiment en lien avec le chrome. Lady Gaga, elle a beaucoup de costumes avec, voilà, du chrome, des trucs réfléchissants. Franchement, Lady Gaga serait parfaite pour un événement cette saison. Il y a un truc, les gars, qui est sous notre gueule depuis le début de la saison. Et en fait, personne n'a prêté attention. C'est, en fait, chaque début de partie, enfin, chaque partie, à côté du sanctuaire de l'héros, on a une tornade qui apparaît. Et cette tornade, les gars, elle est tout le temps là. Et en fait, elle est trop bizarre parce qu'en fait, elle bouge pas. C'est trop bizarre, elle est faite en chrome, du coup, elle bouge pas. Mais du coup, les gars, et si, en fait, cette tornade allait être la nouvelle île du cube? Rappelez-vous, l'île du cube, l'île qui se déplaçait pendant toute une saison et qui modifiait la carte et qui, du coup, nous tenait en haleine toute la saison. Et bien, du coup, peut-être que... l'équivalent de l'île du cube, ce sera la tornade de chrome. Et que cette tornade de chrome va se déplacer dans la carte et va changer l'île en chrome. Ce serait la manière la plus logique dont le chrome pourrait se répandre. Vraiment, on sait déjà que le chrome se répand tout seul, mais avec la tornade, ce sera encore plus stylé. Donc ça m'étonnerait pas que bientôt, on la voie bouger. Et cette théorie ne vient pas de moi, elle vient de Akko sur Twitter. Je vous affiche son profil Twitter. C'est vraiment un bon. Et du coup, vraiment, je pense qu'il a pas tort et ça serait grave possible que Fortnite, bientôt, il fasse en sorte que la tornade bouge et qu'elle modifie la carte tout en chrome. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars. Sur ce, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous kiffez ce genre de vidéo. Dites-moi si le fait qu'on voit plus ma tête et qu'il y ait que de l'audio pendant une petite période, ça vous dérange. En tout cas, moi, il me tarde de voir les commentaires, de voir un peu vos avis sur tout ça. Et j'espère que vous allez me soutenir durant cette période où voilà, ça va un peu moins bien, mais on continue de faire des vidéos. Et j'espère que ça, que vous appréciez tout ça, tout simplement. La famille, je vous laisse. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.